Ça y est, il est enfin là. Airstorm Gym 3D. À l'époque, il me faisait vraiment, vraiment envie. Je me souviens, c'était en 98, je crois. On voyait des images et tout dans les magazines. Et nous, à l'époque, on avait vraiment kiffé Airstorm Gym sur Super NES. Et quand on avait vu les images, dont je crois que c'était le magazine Nintendo 64 Player ou une connerie comme ça, bah, ça nous donnait tout simplement envie de découvrir l'univers loufoque d'Airstorm Gym en 3D. Mais il s'avère que, un peu comme pour Ocarina of Time, bah, on n'a jamais pu. Puisqu'au final, bah, on a revendu à 64, on n'a jamais du coup essayé cet épisode-là. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour YoshiTV et OldiesRising.com. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Earthworm Jim 3D. Un jeu qui, visiblement, n'est pas resté dans les annales, hein, puisqu'il n'est pas celui-ci réalisé par David Perry, mais par un studio écossais qu'on a vu au début du générique, donc j'ai déjà oublié le nom. Et qui n'a pas fait grand-chose. J'ai réussi à trouver très peu d'informations sur ce studio-là, mis à part qu'il était écossais. Voilà. Et en revanche, c'est édité par Interplay, donc qu'on connaît pour pas mal de jeux à l'époque, notamment Another World, si je me souviens bien. C'était édité par Interplay, le fameux jeu d'Eric Chahi, dont je vous ferai une vidéo très probablement un jour. Donc allez, on va se lancer, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Le jeu a très très mauvaise réputation. Réputation d'être une bouse ambulante. On va lui laisser sa chance, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec la transposition de ce Earthworm Jim en 3D. Donc tu rejoins l'hôpital, nanana, tu es mal en point, après un grand coup de vache à la cervelle. Ouais, tiens, la cervelle en compote, ok? La situation est très critique, il n'y a plus qu'un miracle pour te sauver. Ah oui, tout le monde flippe pour moi apparemment. Hein. Ne peuvent rien pour lui. L'infirmier anxieux lui aussi secoue la tête. C'est maintenant dans la tête de Jim que la bataille se livre. Oui, parce qu'il a été assommé par un coup de vache. On ne sait pas trop pourquoi. Au niveau de l'histoire, on l'a vu vite fait dans le début du générique là. Jim a reçu une vache sur la tête alors qu'il était en train de jouer tranquillement de l'accordéon, visiblement. Ça, c'est pour l'histoire, donc voilà, ça tient sur le recto d'une feuille ECB. Hein. Ah, il est classe ce petit Jim en 3D là, il est sympa. Et donc, apparemment, pour sauver Jim qui est sur le brancard là, visiblement, il va falloir diriger un mini-Jim dans sa tête pour soigner les parties de son cerveau qui seraient mal en point, visiblement. Earthworm Jim, c'est toi? Oui. Eh ben, je sais pas, j'ai une drôle d'impression, la sensation d'avoir rétréci, effectivement. Ouais, moins de volume, mais plus de pêche. Je suis Peter Puppy, ton meilleur ami et ton guide accompagnateur cérébral. Tu dois être le super ego de Jim, la ligne de défense ultime, ton cerveau contre la bombe. Lobotomique. Mais où est-on? Ici, il y a des toilettes, c'est que ça presse. Ici, la centrale neuronale, le disjoncteur de ton cerveau. C'est ici que s'entreconnecte le quatuor de tes cerveaux de verre et aucun patiente un peu actuellement. J'ai du mal à lire là, en plus, ça défonce les yeux. À 64, retourner dessus, ça fait franchement mal aux yeux. Hein. Tisanie encéphalique, et ton équilibre mental est en péril, tes phobies et tes angoisses. Ravage ta cervelle d'oiseau, rends-toi à l'évidence, Jim. Tes bulles de savoir se sont envolées et tu dois les retrouver. Aucune pensée n'a de puissance du super-ego d'Earthworm Jim. Envoyez-moi les méchants. Pas tout de suite, mon ami. Avant qu'on en arrive là, mon contrat m'oblige à te fournir des informations. Rassemble tes bulles de savoir et fais-moi mousser ce cerveau. Visiblement, voilà, ça va être l'objectif principal du jeu. Ça va être reconnecter le cerveau d'Earthworm Jim. Eh ben, j'ai l'impression que c'est parti. Par contre, là, on a toujours les voix à l'ancienne. Hein, Earthworm Jim, ça fait plaisir. Stade de la partie, tu es aussi malin. Qu'est-ce que c'est? Que écume de mer. Ok, bon, bah, c'est parti, hein. Alors, pour sauter, on est sur le bouton A. Hop. Génial, la caméra, ça commence bien.
Hé hey Jimmy, tu te rappelles, moi, c'est moi Morph, ton frère de récré. Je viens t'aider. Quand tu vas vers toi, viens vite me voir. Je te montrerai une astuce pour te faciliter la tâche. Bon, ça marche. Visiblement, il sera là pour nous aider. Bon, je regarde un petit peu les commandes. Parce que là, forcément, de se retrouver sur, sur 64 dans un univers en full 3D, ça fait un peu chelou. Donc, on va regarder ça. Au niveau des caméras, alors attends, est-ce qu'avec le bouton C, on peut faire quelque chose? Visiblement, ouais. Ok, toujours le coup de l'assaut avec la tronche de Jim. Donc, ça, c'est avec le C bas. On va jumper. On saute pas très haut notre Jim, mais bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Bonheur. Ok. Est-ce qu'on accède aux missions peut-être comme ça? Il faut que tu réunisses d'avant 12 mamelles. Bon, je peux pas aller là. Oui, alors il va falloir récupérer des mamelles de vache aussi, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas tout à fait compris là, pour être honnête. C'est un peu le bordel ce scénario d'Arsworm Jim. En même temps, ça ne m'étonne très peu. Toujours eu l'univers un peu loufoque d'Arsworm Jim. Par contre, les couleurs sont super flashy. Le Jim est plutôt sympa, je trouve. Il est assez rigolo et bien foutu pour même en 3D, je le trouve sympa à regarder. Il a une bonne petite tête même en 3D, je trouve qu'il a gardé le charme de la version 2D. Alors quoi, fantasme, qu'est-ce que c'est cette partie-là? Il faut que tu réunisses davantage de mamelles, donc il en faut 49. Alors, je sais pas par où on peut commencer. Alors ça a l'air d'être le HUD central en fait, pour accéder aux missions. Putain, la caméra, elle galère. Ici, on peut rien faire. Ici, les autres... Ah, le flingue. Excellent. Ah, pistolet mitrailleur, nickel. Comme dans la version Super NES, avec la touche Z, donc la gâchette. Le souvenir. Apparemment, ici, je vais pouvoir y aller, je pense. Il me joue de la cornemuse, le Jim. Lui apparemment c'est un ami, on peut peut-être lui parler. La caméra te permet d'explorer ta tête. Les boutons C droite et C gauche. La fonction pivoter, le bouton C supérieur commande la fonction zoom. Et si tu maintiens le bouton R enfoncé, la caméra restera derrière toi si tu maintiens le bouton R enfoncé. Ok, d'accord. Le bouton C supérieur, tu pourras regarder autour de toi. Utilise le stick pour regarder. Appuie de nouveau sur le bouton C supérieur pour revenir à la position normale, d'accord. Oui, donc c'est... Ah oui, en fait on zoome au fur et à mesure comme ça avec le bouton C haut. Visiblement. Bon, ça n'a pas l'air trop complexe au niveau des commandes, ça a l'air plutôt bien fait. Qui est assez brave pour venir jusqu'à l'hôtel resplendissant de la vache sacrée du souvenir. C'est moi, Arsworm Jim, le super-héros devenu super-ego. Serait-ce l'élu des vers? Tu n'arrives ici pas au bon moment, tu sais. Pourrais-tu revenir plus tard? Pas de complications, la vache. On m'a envoyé la lettre de l'ordre. Carboïque, ton ennemi de toujours s'est introduit dans ce cerveau et fait une fixation sur un certain mauvais souvenir. Tu crois peut-être avoir oublié la terrible guerre des clapiers de 72, mais tu te trompes, tu étais encore un petit. Tu étais encore petit à la fin de la guerre, ok? Mais elle s'est cristallisée dans ton esprit, il te faut maintenant revenir dans le temps, résoudre les conflits entre les bêtes, et mettre fin à ce gloussement infernal. Par l'esprit suprême des vers, je redresserai ce torse, ce n'est pas un corbeau qui va... Pour être adulte, alors attends, je comprends pas, hein. Je comprends que dalle en fait à ce que je lis. Il faut apprendre à rester zen. Ah non, zen. Toutes ces portes s'ouvriront avec assez de mamelles. Fais sauter les cases de ton cerveau pour gagner les mamelles. Bouton star sert à avoir les meilleurs scores. J'ouvre la première porte gratuitement. Et fais gaffe, vermisseau. C'est une ferme. Ok. Bon, et bah c'est parti dans la première mission apparemment. Hein. On va y aller. On va recadrer la caméra direct avec R. Hop. Le bouton star, donc qu'est-ce qu'on peut regarder? Demi-tour hélico, sauvegarde et direction cerveau, je vais en finir, je me débrouille bien. D'autres trucs au hasard. Ouais, c'est tous les... en fait, les petits odeurs. Excellent. Ouais, c'est tout à fait loufoque, la série du Arsworm Jim. Donc on peut activer les odeurs, hein. On voit qu'à l'époque, ils étaient déjà au taquet niveau technologie. La zik, elle est là, hop. Les odeurs, on va les laisser, je sais pas ce que ça va être. Je me débrouille bien, ça va être les stats du jeu, voilà, c'est ça. Ok, donc les mamelles, on en a une visiblement. On a des bulles là, je sais pas ce que c'est avec le 0 et les 188, ça doit être les pas. Hop, on va regarder un peu le reste. Je vais en finir, c'est pour arrêter. Hop, bon, on va y aller, on avance. Je crois que ça va être n'importe quoi cette vidéo, je le sens. It's a farmyard out there.
Ah, il y a une bulle là-haut, on va essayer de la récupérer. Voilà, nickel. Une sur 100, hein. C'est un truc qui va s'apparenter, je pense, au... un peu aux étoiles de Mario 64, j'ai l'impression. Plus fort, appuie sur le bouton A et tu sauteras. Ok, d'accord, appuie sur le bouton B et A pour faire un bond super cool. Ah oui, d'accord, il fait une roulade en fait. Quand on maintient B. Sympa la petite animation. Ah, par contre, on a toujours les musiques un petit peu country d'Airstorm Jim, ça, ça fait plaisir. Hop, pression de la gâchette, oui, d'accord. Bon, c'est vraiment le tuto là, hein. Ça va nous apprendre. Bon, plutôt que de vous faire un test, je me suis dit, après tout, pourquoi pas vous faire un tuto, parce que c'est un jeu assez. Assez méconnu, assez peu joué. Donc, je me suis dit, ça pouvait être une bonne idée d'en faire directement un live en vous montrant le début. Je pense que ça vous. Voilà, vous. La plupart des gens n'ont pas vu grand chose sur ce jeu. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Hélicoptère, mon ami, appuie deux fois avec de l'élan. Ok, d'accord. Tu sauteras plus loin, d'accord. Ah yes, toujours l'hélico. Mais c'est excellent, on retrouve vraiment la panoplie des mouvements de Jim. Hein. Par contre, la caméra, putain, elle a vraiment du mal à suivre. Hein. On retrouve la panoplie des... Regardez la tête qu'il a. Je sais pas s'il va faire des petites animations si je touche pas la manette, histoire de voir un peu comme sur la Super NES. Bon, pour l'instant, il bouge, en tout cas, il reste pas statique, ça c'est cool. Je sais pas s'il va se mettre à faire des conneries, histoire de voir un peu dans sa combinaison de super-héros. Au niveau modélisation, c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est franchement correct. Ouais, je peux pas tourner la cam. Bon, il a pas l'air de vouloir faire grand-chose. Ah si, ça y est. Ah oui, il fait du hula hoop avec sa tronche. Excellent. Alors on va essayer de voir s'il fait pas une petite deuxième animation sympa. Histoire de rigoler un peu, puis après on va s'y mettre quand même. Ah, c'était vraiment la marque de fabrique de ce jeu-là, hein, cet univers assez loufoque, assez marrant. Nous, à l'époque, ça nous avait vraiment fait taper des barres, sérieusement. Je trouvais ça absolument excellent. D'ailleurs, je me suis pas fait quand il est ressorti sur la. Il est ressorti sur quoi ? Ouais, sur la 360 et sur la PS3. Un petit peu de cœur va sauter. Ah non, bon, elle refait la même chose. Bon, bah écoutez, allez. Raté mon saut. J'adore la manière dont il court, c'est excellent la petite démarche qu'il a. Hop là. Bon, ça va, il s'accroche facilement, il n'y a pas de souci. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'ici, on peut pas faire grand-chose. Hop. Ah, essayer de monter là-haut. Ah, je pense que c'est niveau caméra que ça va être relou, en fait. Là, je le sens tout de suite, en fait, à manière de jouer. La caméra n'a pas tendance à suivre le personnage, en fait. Ah, il y a encore deux boulettes là-haut. Ah putain, il glisse direct. Abusé. Ah, la 64 reine quand même des jeux de plateforme 3D à l'époque, mine de rien. Apparemment, ce Airstorm Jim avait pas du tout convaincu. Hein. J'ai lu franchement les... Putain. J'ai lu les tests et tout. Franchement, il y a vraiment des gros défauts au niveau de... Bah, notamment de sa caméra. Puis après, l'univers est quand même assez sombre, assez pixelisé et tout. Bah, ça fait un peu bouilli de pixels, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Oh, j'espère que je vais pas rester coincé dans cette pièce. Est-ce que je peux détruire les caisses ? J'ai pas l'air. Avec mon pistolet mitrailleur de ouf. Ah, yes. Bon, bah voilà. Voilà, nickel, on va débloquer tout ça, tranquille. En tout cas, la musique, c'est vraiment dans le... Comment il gueule. C'est dans le plus pur style Airstorm Jim. Ça, par contre, on n'est pas déçus. Hein. On reste vraiment dans du connu, quoi. Je peux même pas regarder derrière, là.
Ça, c'est excellent, le fouet. Il a pas l'air d'aller très loin, par contre, le fouet. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air aussi loufoque, en fait, voilà, c'est Earthworm Jim, c'est dommage que c'est pas suivi cette mouvance-là, mais en fait, ça s'est fait un peu détrôner au niveau du loufoque par Conquer Bad Fur Day. Conquer Bad Fur Day, là, le jeu de Rareware, pareil, jeu de plateforme exceptionnel de Rareware sur la 64 avec l'écureuil, là, hyper grossier et tout. Ça, c'est un jeu qui m'aurait bien fait triper à l'époque, dont la 64 aurait eu bien besoin beaucoup plus tôt, en fait. Il aurait eu besoin de beaucoup plus de jeux comme ça à l'époque. On aurait pu croire que Earthworm Jim pouvait rattraper un peu ce filon-là, parce que c'était plutôt bien parti avec les épisodes, les deux épisodes à SNES et Mega Drive. Hein. Je crois que c'est sorti aussi sur Saturn, Earthworm Jim 2. Et c'est dommage qu'il n'ait pas suivi ce chemin-là, et puis surtout qu'il n'ait pas eu une deuxième vie, ce perso, parce qu'on l'a jamais revu hein, depuis, hein, mine de rien. Hein. Mis à part la réédition HD, c'est un peu dommage. Alors lui, à mon avis, il faut peut-être lui parler, ou je sais pas. Ah oui, bah oui, c'est la cage du hamster. Il va nous ouvrir la porte. Nickel. Merci, bonhomme. Ça a l'air vraiment n'importe quoi. Attention, Jimmy, il y a un méchant. Sur le bouton B, sert à éviter ses missiles au sol. Stick te permet de rouler partout. Ok. Bon, choper un boss, déjà. Allez, raid la cam. Putain, c'est un truc de fou. Je sais pas comment je vais pouvoir le battre. S'il faut que je lui tire dessus ou pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette caméra, sérieux? Ah, je peux lui tirer dessus, donc déjà, ça, c'est un bon point. Ah, merde, je me suis fait avoir. Il faut tout sans cesse rappuyer sur la caméra. Elle se recadre pas derrière le bonhomme. Ah, nickel, je l'ai eu. Il y a certaines textures qui sont quand même un peu dégueulasses, hein, qui bavent à fond. Alors là, il y a des frigos qui sortent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Décollage des frigos, ok, ça marche. Marc, ça me fait penser à l'épisode sur Super NES au tout début où il y a le lanceur de vache, là, justement, avec l'espèce de frigo. Ah, tiens, j'ai récupéré une mamelle, visiblement. Une mamelle d'or. J'en ai une sur trois. Apparemment, il y en aura trois à voir dans cette zone. Et bon, on va continuer. Pour l'instant, c'est plutôt rigolo, donc on va pas se faire prier. Bon, là, il y a pas mal de petites bulles à récupérer. On va les choper direct. Ah, les petits obstacles. Putain, j'ai l'impression que ça rame. Comment il râle. Ouais, j'ai l'impression que ça rame à fond, en fait, que ça saccade. Alors le jeu est sorti également sur PC à l'époque. Mais on va essayer de se le faire une nouvelle fois. Ouais, il est sorti exclusivement sur 64 au niveau en ce qui concerne les consoles, et il est sorti également sur PC à l'époque. Alors, il faut lui parler. Repos soldat, je n'ai jamais vu de poulet en si piteux état. Mais non, d'un Enrico Sec, c'est le colonel Croupion. Héros de la guerre. Très juste, fiston, j'ai une mission à te confier. Une mission pour moi, c'est cool. Les perfidies des vaches ont engagé un corps de hérissons mercenaires et les piquants pickpockets ont piqué une pierre de mon Pierre Cardin. N'importe quoi. Avec vos dossiers top secrets. Non, mon slip Cardin, reviens vite, fiston. La survie des poules en dépend. Pas de problème, Croupion. Retour en sleeping assuré. Oh là là. Bon, ce qui est bien, c'est que ça respecte totalement l'univers d'Earthworm Jim. Ça, par contre, hein, il n'y a pas de souci, quoi. On pouvait avoir une petite déception à ce niveau-là, sachant que c'était pas Virgin et puis David Perry au programme de... Ah merde, je suis mort. Ah non, je reprends d'en bas. On pouvait avoir des petits doutes et... regardez comment ça lag, là, en fait, comment il court. Avec ces grenades là. Non, c'est qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, ouais, on dirait des grenades en fait. Ouais, c'est des grenades.
on pourrait avoir des doutes et tout, vu que c'est pas David Perry et ses équipes qui étaient aux commandes, mais au final, non, pas du tout. Hein. C'est fidèle au niveau de l'univers, donc ça, c'est vraiment un bon point. Par contre, là, techniquement, c'est à la rue, quoi. Ça rame à donf. On va essayer d'avoir ça de plus loin. Ou alors, on va avancer un peu plus vite. Voilà. Ah, voilà, les petites boules bleues, en fait, c'est tout simplement de l'énergie. On va essayer d'éviter toutes ces grenades. Waouh, c'est chaud, elles arrivent de plus en plus vite. Nickel. Bon, je pense pas que je manquerai de munitions. Normalement, ça devrait aller. Ah, par contre, là, j'ai deux portes. Et ben, on va commencer par celle de droite. La démarche de Jim est excellente. Regardez comment il court comme un gland. C'est excellent. Ah, par contre, là, il y a quelques mobs. On va essayer le fouet, tiens. Ah, joli. Impeccable. Allez, récupère tes boules. Là. Oh, yeah. En fait, ces petites boules-là, c'est exactement les mêmes boules que sur Super NES aussi, j'ai l'impression. Ça y ressemble beaucoup. C'est ce qui nous redonnait d'ailleurs de l'énergie. Enfin, ça y ressemble. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec la croix directionnelle? Ah, on peut pas jouer avec la croix. C'est uniquement au joystick. Ah, je suis content en tout cas de pouvoir essayer cet Earthworm Jim. J'avoue qu'à l'époque, comme je vous disais, il nous faisait vachement envie. Et du coup, bah, je suis content de pouvoir l'essayer. Ça n'a pas l'air si pourri que ça. Je suis assez surpris d'ailleurs que ce jeu ait fait un bide énorme. Bon, c'est vrai que si on compare par rapport au restant des jeux du style qu'on avait sur la machine, il avait une énorme concurrence. Oh putain la vache. Quand on voit les Banjo-Kazooie, Mario 64, Donkey Kong 64, même Conquer Bad Fur Day qui joue un peu dans le même registre au niveau de l'univers loufoque. C'est vrai qu'il y avait, du level hein, sur la 64. Hein. En jeu de plateforme, c'était vraiment pour moi la reine des jeux de plateforme 3D, la 64. Sans contestation possible d'ailleurs. Ah, une petite boule là-haut. Hop, on va la choper. Bon, la musique est répétitive par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de variété. Mais sinon, c'est sympa, c'est tout à fait dans le délire. Alors là, il y a un slip là-haut. Je sais pas si je devrais le récupérer ou pas. On va essayer d'aller là-haut, voilà. Essayer de visiter un peu tout ça. Le problème de la 64, je trouve, c'est ce lissage de textures, en fait. À des moments, ça fait vraiment bouillie, quoi. Bouillie de pixels. C'est un petit peu dommage. Alors sur certains jeux, c'était plutôt bien foutu, ça faisait beaucoup plus beau que sur la PlayStation. Mais j'avoue, sur d'autres, ça fait pas super. Mais là, le niveau du choix des couleurs, à mon avis, au bout d'un moment, ça doit quand même piquer les yeux, quoi. On va descendre, on va essayer de se le faire de là. Wow ! Missile en pleine tête, là. Bon, ça va, on récupère quand même de l'énergie assez facilement. Mais il y a du monde, là. Ah, mais le flingue se recharge tout seul, en fait. Donc ça, c'est bien. Ah, putain, c'est le gros problème, là, c'est vraiment la cam. Vous voyez, la caméra dynamique, en fait, elle suit pas du tout le perso, quoi. Elle reste pas calée derrière lui, on est sans cesse obligé de la recadrer manuellement. Et je pense que quand le jeu se compliquera un petit peu, ça risque d'être bien plus difficile à jouer. Bon, les voix digit, ça a l'air correct. Un peu les textures là. Ouais, c'est ça, c'est cet effet de flou en fait sur les textures. Hein. C'est propre vraiment à la 64. Bon là, après en même temps, je joue sur un LCD, donc ça rend pas non plus honneur
au jeu, j'imagine que sur une télé à type cathodique, ça doit être quand même un petit peu plus propre. Enfin, en tout cas, ça doit pas amplifier les défauts comme c'est le cas sur la 64 quand on joue avec un LCD quoi. Ça c'est notre pote. Appuyez sur le distributeur pour faire le plein. Si la machine ne scintille pas, elle est probablement vide ou éteinte. Ok, on va faire le plein de quoi avec ça? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, d'accord, nickel. Qu'est-ce que je lance? Ah, c'est des bombes apparemment. Alors attendez, je vais récupérer parce que là j'en ai gaspillé une. Ah mais c'est mort maintenant. Si? Ah non, c'est mort maintenant, je peux plus... L'espèce de champignon explosif, là, j'ai l'impression. On va les garder, on sait jamais s'il y a un petit boss là quelque part. On va essayer d'utiliser le fouet pour... Ah, on peut pas... C'est mal foutu. Bon, j'ai utilisé toutes mes munitions spéciales, là. Bon, voilà, je suis full en énergie. Non, il faudrait juste pouvoir ouvrir cette porte. On va grimper ici. Ah merde. Probablement un petit truc à faire ici. Et oui, forcément. Les petites bulles à récupérer. Assez chaud quand même hein, de gérer avec la cam et tout, même pour apprécier les plateformes pour les sauts. C'est pas de la tarte. Bon là j'ai récupéré normalement tout ce que je devais récupérer dans la salle. Peut-être la porte va s'ouvrir, non? J'en ai peut-être oublié quelques-unes là-bas. Et oui, je me disais bien que j'en avais... Ah putain, ils sont revenus en plus, les enfoirés, ils ont repop. Puis on peut pas grimper directement. Bon, ça va, heureusement, leurs missiles sont assez faciles à éviter. Il suffit que je dise ça pour foirer, mais dans l'ensemble, ça va. Il y en avait un deuxième dans mes souvenirs. Il est là. Allez, monte. Putain, comment il gueule. Excellent. Bon, par contre, la visée se fait assez facilement. Automatiquement. Ah, la trappe s'est ouverte. Faudrait que je récupère les... Ah, mais je peux monter, là. Faudrait que je récupère les boules, mais je vais essayer de grimper à cette corde, là. Il doit y avoir un moyen de s'accrocher, non? Et non. Dommage. Ah, par contre, je peux monter ici, donc ce sera peut-être plus simple. Bon, c'est super répétitif au niveau de la Zikmu. Allez, bordel. Putain, puis les ennemis qui repopent là sans arrêt, c'est... Vous voyez cette caméra là, c'est vraiment hallucinant quoi. Elle vous suit pas, elle vous laisse tomber la cam. C'est ouf. Je sais pas s'il peut me shooter en hauteur. Bien sûr que oui. Enfoiré de base. Bon, allez, on va se casser, on va run. Putain. Ah, c'était pas là? Où est-ce que c'était? Bah non, c'est pas ici.
Oh, bah, on y va. On y va tranquille, c'est pas grave. Par contre, on peut pas tirer en avançant, c'est dommage. Bon, faut pas trop en demander non plus, en même temps. Voilà, on va appuyer là-dessus. Et ça nous ouvre ce petit mécanisme, impeccable. Donc, à mon avis, on va pouvoir y accéder, comme ça. Ça va être chaud. Ah oui, d'accord, ouais. Il va falloir monter sur ces caisses-là, en face. Ah, la maniabilité, c'est pas du Mario 64 non plus, hein. Ça, c'est clair et net, hein. On est très loin de ce qui se fait de mieux sur la 64, hein. Bon, eux, on va les niquer parce qu'ils commencent à me gaver. Avant de crever bêtement. Wouah, vas-y, je fonce sur le missile, là. Allez, dégage de là, toi. Pas m'emmerder longtemps. Que je puisse faire mon truc tranquillement, quoi. C'est déjà assez difficile comme ça. À manipuler. Ouais. Alors que le gameplay est pas foncièrement mauvais, je trouve. Franchement, ça... Ça répond bien et tout, c'est... Vraiment dommage. Pour l'instant, c'est... C'est dommage. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je sais pas si on peut faire quelque chose sur ce slip là-bas. Je voudrais essayer d'aller le récupérer, histoire voir si ça fait quelque chose. En plus, il brille, donc il y a forcément un truc à faire avec le slip, hein. Attends. Je sais pas si je fous un coup de fouet et tout dessus, ça va le faire quelque chose, mais bon. Je vous avoue, je suis bien tenté d'essayer de choper ce slip là-bas. Regardez, il se met même pas en face et tout, c'est. C'est la misère. Hop, allez. Ça fait que dalle, là j'essaie de taper dessus, ça n'a rien fait, donc bon. On va essayer une dernière fois de sauter dedans et de l'attraper, je sais pas si ça peut faire éventuellement quelque chose. Mais sinon on va pas s'éterniser là, on va passer à la salle suivante. Allez, c'est parti, on va à la salle suivante parce que... On va pas perdre 3 piges à aller là-bas. Ah merde! Allez, let's go. Voyons. Je sais pas ce que c'est, ces espèces de piaf là, bizarres. Ils sont pas très beaux. En tout cas, ils sont pas amicaux, ça c'est certain. Run power. On se retrouve dans la première salle en fait, avec le espèce de hamster là. Cours. Ah, vous voyez, le slip se décale. Est-ce que ça change quelque chose? J'en ai aucune idée. Ah putain, je l'ai carrément tué là. Sympa. Ah, normalement, nos amis vont repop, ils vont être de nouveau là-bas. Voyons un peu. Ah, c'est même pas revenu. Par contre, je vais pouvoir normalement le récupérer, le slip. C'est n'importe quoi ça, récupérer un slip. Non mais sérieux, c'est ouf. Mais saute, bordel. Oh, peut-être que je shoot dedans directement, je sais pas, avec le... Avec ma tête. Regardez, vous voyez, il glisse tout seul en fait. Hein. C'est...
peux rien en faire, hein, de ce putain de slip là. Pas rester coincé à l'énigme du slip, quoi. Si je tire dedans, peut-être, non? Éventuellement. Putain de câble. Non, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Ah, par contre, là, il y a un petit interrupteur à appuyer, j'ai vu. Que j'avais pas vu tout à l'heure. Ok, d'accord, bon, j'ai compris. En fait, il va falloir le décaler jusqu'au bout, je pense. Donc là, ça va être la même chose dans cette salle-là, je pense. Pour le temps que ça arrive au cerveau, hein, Yoshi. Voilà, nous deux, les poulets horribles, là. Putain, ils ont une sale gueule, ces trucs. Allez, voilà. On va le décaler une nouvelle fois. Jusqu'où il va aller, cette fois-ci? Il va pas très loin. Profitez pour regarder également s'il n'y a pas un autre interrupteur à actionner. Ça pourrait faire gagner du temps au lieu de chercher pour rien. Apparemment non. Bon bah il est ici maintenant. Ça fait que dalle, ça fait que dalle. Voyons là-bas. On va peut-être l'exploser en balançant un truc dessus, éventuellement. Ah, c'est vrai que quand on regarde comme ça, en fait, il est assez loin de moi. Je sais pas ce que c'est ces trucs, en fait, que je viens de balancer. Ouais, c'est des bombes, en fait. Pas terrible. Par contre, c'est bien, c'est efficace, ça les dégomme les autres là tout de suite. Hein. Ça, c'est cool. Putain, par contre, là, ils ont repop, évidemment. Ça va, ils sont faciles à éviter en fait leur. Ben voilà! Un nouveau truc qui vient de s'activer. Alors c'est lequel? C'est pas ici, ça doit être là-bas je pense. En fait c'est un peu aléatoire la manière dont les trucs se débloquent, faut vraiment... En fait on est obligé de galérer quoi. Obligé de galérer et de chercher. C'est assez surprenant. Là, cette caméra me donne le... Le tournis, laissez tomber. Allez. C'est une horreur, hein. Sérieux, c'est une horreur. Hein. Je vous invite à l'essayer pour vous rendre compte vraiment de... C'est la misère de cette caméra, quoi. Quand je trouve pas le deuxième interrupteur, là, je suis un peu emmerdé. Pour le coup. D'accord. Les bugs. Si on retournait là-haut vite fait, histoire de jeter un œil. Ouais, j'imagine que ça n'a pas changé grand-chose.
En plus, je viens de buter le hamster, donc là. Bon, j'aimerais bien vous terminer cette énigme du slip pendu avant de s'arrêter là, hein, de se quitter là. Je pense que vous en aurez vu assez pour voir si ça vous branche ou pas d'essayer ce Earthworm Jim 3D. Putain, mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce truc? Plus c'est pas faute d'essayer de prendre de l'élan, mais vu qu'on a du mal à apprécier les distances, à chaque fois que. Vous voyez, à chaque fois que vous avancez, en fait, vous vous retrouvez directement à l'étage en dessous, quoi. Puis là-bas, pourtant, j'avais allumé un interrupteur, mais j'ai rien vu du tout, quoi. Hop. Eh oui. Putain, mais c'était là-bas, merde. Je suis mauvais, 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 mauvais. Ça se confirme, les amis, ça se confirme. Allez, on va prendre cette porte. Je pense qu'on va arriver à la dernière étape du slip. Putain! Ah, un peu plus de monde là. Waouh! Je sais pas ce que c'est. Ces espèces de saloperies là, ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Hop. Merci le hamster. Normalement, on est bon là. On va pouvoir le récupérer. Et là, on va le buter. Excellent. N'importe quoi. Normalement, je devrais pouvoir récupérer le fameux slip. Par contre, je vais faire gaffe à pas crever parce que s'il y a des mobs dans le coin, je voudrais pas qu'ils aient ma peau. Voilà, bah écoutez. Voilà. J'ai récupéré le slip du. Comment il s'appelait là? Le commandant, je sais pas quoi là. On va retourner le voir, hein, à mon avis. On va lui rendre. Il va sûrement nous filer des trucs d'ailleurs. Putain, qu'est-ce que ça rame. On va se manier parce qu'on va être. Poursuivi par les grenades en théorie. Et ouais, voyez. Ouais, donc normalement lui il est tout en dessous. Hein. On va le faire sauter sur la grenade quand même. Ah mais j'avais oublié ça là tout à l'heure. Nickel. Wow. C'est chaud. Voilà, oh la vache. Où est donc le colonel Croupion? Bah voilà, c'est lui que je cherche, colonel Croupion. Je suis le sergent d'artillerie Vache Poutine. N'importe quoi. Le colonel a été capturé et mis dans un camp de concentration. Ah putain, l'humour de ouf. Selon l'article 432, alinéa 27 du code Pecno, je suis obligé de rendre tout linge de corps. Emporte-le, de toute façon, il n'est pas à ma taille. Et bah merci, mais qu'est-ce que je vais faire de ce slip. Ah, il me donne quand même une petite mamelle. C'est bien vu. Et un pierre caneton, joli étoffe, ce mec a du goût. Tu as l'air d'un dur soldat. Comme il nous en faut, tue la poule aux œufs molotov, là-haut, avant qu'on termine, en chair à saucisse. Tranquillisez-vous, c'est moi qui vais la faire sauter, ce poulet aux petits oignons. Ah, c'est peut-être un boss du coup, là. Récupérer la mamelle et on va aller voir jusqu'au boss peut-être à la limite si c'est un boss. Je sais pas s'il faut retourner là-bas je pense hein, du coup. On va récupérer ça. Hop là, putain c'était chaud à éviter. Bah, je vais retourner là-bas parce qu'à mon avis la fameuse poule là ça va être le boss.
Avant que je sois retourné en arrière, là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Ouais, je suis retourné en arrière, en fait. Putain de caméra aussi. Comment veux-tu aller dans le bon sens? Ça te paume totalement, quoi. On va regravir tout ça, vite fait. On va essayer de se manier, histoire que la vidéo dure pas non plus trois plombes. Parce que là, c'est que le début du jeu, donc c'est pas non plus hyper transcendant. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je regrette pas de ne pas l'avoir acheté à l'époque. Pourtant, on l'a attendu, ce jeu. Il était un peu sur la wishlist, ou quoi. Comme je le dis souvent. Ah merde, putain, je suis con. Ah bah voilà, du coup, la porte est ouverte là-bas, donc à mon avis, c'est le boss. Au bout de cette salle. Voyons voir. Non, pour l'instant, non. Ah si, on entend des poules, donc forcément. On a toujours ces grenades. Par contre, je vais essayer de récupérer toutes les boulettes, donc... Ouah, c'est chaud, là. Il y en avait un max. Oh putain, la musique est hyper répétitive. J'espère que c'est pas la même musique tout le long du jeu, quand même. J'aurais pas fait une erreur pareille, quand même, mais bon. Bon allez, on s'en fout, on va pas récupérer les trucs sans arrêt là. En faisant un remake de Yoshi's Island. I feel great. En plus, il y en a un max quoi de ces grenades là. Ah, c'est chaud à éviter là. Il y en a 50 000, ça ramadonf, il court à deux à l'heure. Putain, regardez-moi cette poule là. Green Power. Alors là, il y a deux pièces. Allez, on va aller sur celle-ci pour voir. Encore des poules. Si je roule, ça va plus vite. L'animation en boule est pas mal aussi d'ailleurs. Petite phase plateforme là-bas. On va essayer de pas se gaufrer parce que. On va les défoncer direct. Ok, ok, ok. Hop là. Les phases de plateforme, elles ont l'air quand même bien chaudes. Ah là, voilà la fameuse poule. Bon, ça va, je peux sauter quand même par au-dessus des missiles assez facilement. Je fais le max pour récupérer quand même de l'énergie au passage. Faut que je fasse gaffe aux mines quand même, pas me faire dégommer par les mines. Alors là, il faut passer par là. Non! Ah putain, je suis tombé. Ça me rend ouf cette caméra, ça me rend ouf. Déjà que ça lag, putain, c'est pas évident. Alors si en plus la caméra elle suit pas, pas rien faire pour nous. Hein.
Regardez, je peux même pas tourner. Bon, c'est bon, il est mort. Ça, c'est une espèce de pomme, je crois. Hop. Là, je vais me péter la gueule si je descends. Et ouais, mais c'était sûr. C'était sûr. Essayer de passer par un autre chemin, à la limite. Je suis pas sûr qu'on puisse, non. Bon, ce qui est bien, c'est que les ennemis repopent pas à tout bout de champ non plus. Putain, mais comment veux-tu avancer ici? C'est pas possible! Ouais, voilà, il suffit. En fait, il suffisait de passer de l'autre côté. Encore fallait-il le savoir? Toujours même problème, hein. C'est pas très bien indiqué, pas très bien. Allez! Allez, il tourne la tête, putain! Eh ouais, mais pff, ça me rend dingue, ça, c'est... Moi, je sens que je vais vite ressortir le Super Mario 64, hein, je vous le dis. Je suis à deux doigts. Mais non ! Pourquoi il glisse ? Oh là 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 là. Heureusement qu'on perd pas des vies, hein. Je serais déjà game over depuis belle lurette. De toute façon, Airstorm Gym sur Super NES avait la réputation d'être difficile. Je me souviens, nous d'ailleurs, à l'époque, on l'avait, je crois, jamais fini, ou peut-être avec les cheat codes. C'est possible. Ah oui, en fait, il faut gérer vraiment avec la caméra comme ça. Voilà. Ça, on a fait exploser la poule, elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça. Bon, et eh ben écoutez. Putain, c'est dommage que ça termine pas sur une fin un peu. Un truc un peu plus classique là, une fin de mission, quelque chose, ça me fait chier de vous laisser comme ça là. Un peu à l'arrache, quoi, on va dire. Histoire d'avoir rempli quand même un objectif, quoi. Parce que là... On a fait un peu de la daube. Ouais, ce que j'ai fait, ça... Ça n'a pas servi à grand-chose. Bah écoutez, on va se laisser ici, pour cette fois. Hein. On va pas... Aller plus loin, c'est déjà pas mal. 54 minutes sur Airstorm Gym. Je pensais pas que je les ferais sur cette Airstorm Gym 3D. J'espère que ça vous a plu, ou en tout cas que ça vous a montré si vous aviez envie de vous le faire ou non. Très sincèrement, il y a beaucoup mieux en plateforme sur la 64. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. On le trouve pas facilement à tous les coins de rue, hein, ce Airstorm Gym. Moi, je l'avais jamais vu nulle part. Je suis content de l'avoir trouvé pour pouvoir l'essayer, mais très sincèrement, optez plus pour du Mario 64 ou du Banjo et Kazooie. Bah écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi's Ultimate et OldIsRising.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou !